Plus 1 pour BFD. Oh bordel. Et du monde. Ok. Alors. Phuket, c'est qui ça, Phuket? Oh, le druide. C'est trop bien comme pseudo, Phuket. C'est trop mignon. Calme. T'as entendu, c'est trop mignon, Phuket. Ouais. Il adore qu'on lui dise qu'il est mignon. Plus un coup de main, plus un coup de main. Je prends votre... Si besoin, l'espo... Ouais, bah je prends votre coup de main, les gars, avec plaisir. Ah, Big Andrew ici, attends. Lui, c'est pas coup de main, c'est... Il a besoin... Oh, c'est mignon comme pseudo. Ah, lui, c'est JPP. Eh ben, écoutez, je prends avec plaisir vos... Y a plus personne, c'est bon. Je prends avec plaisir votre aide et on do. Comme ça, on va le déchirer. C'est soft, c'est ça. C'est... Ah bah, tu veux que ça soit qui l'autre, hein. Okay. Évidemment que c'est soft. Hein. C'est l'enfer. Je comprends, hein. Évidemment que c'est soft, hein. Pseudo pareil, hein. Ça c'est... Et on est 10, bah let's go, hein. En plus, il me rate où toi? Ah, oh, tu peux, tu vas pouvoir TP. On peut TP normalement. Là. Oh, génial. T'as pas eu le... Il y a des gens qui ont les quêtes par hasard. Non. T'as pas eu la wardrobe par hasard, Imra? Ou si? Non, mais j'ai un fragment. Dommage, dommage. Mais je vois qu'il y a du monde qui arrive, on ne peut pas trop avoir un TP. Nice. Moi, je vais avoir besoin, je suis à Stormwind, donc ça va me faire une petite trotte. Clairement. Ah, mais je vais peut-être avoir le collier, parce que j'ai toujours zéro collier. Mais ouais, donc ça me soutient toujours, Craftogaz. J'ai été complètement honnête avec Oli. Je les ai contactés. Bon, de toute façon, je peux jouer la transparence, hein, toujours. Je vous avais fait... Ça, je vous en avais fait part il y a quelques semaines de ça. Bah, en fait, moi, j'étais plus à l'aise avec le fait de leur prendre de l'argent. J'aime beaucoup l'argent, hein, mais il y a des limites. Dans le sens où, comme je vends beaucoup moins de Oli qu'avant, parce que bah, mon nombre d'audience a été divisé par je sais pas combien. J'ai perdu à peu près, je sais pas, 80% d'audience, quoi, 70% de l'audience. Et donc le ballon, forcément, bah, je vends aussi moins de Oli. Et donc, le truc, c'est que moi, j'aime bien, en fait, le Oli. Je suis partenaire avec eux, certes pour gagner du pognon, mais aussi parce que j'aime bien la marque, en fait. Et donc, je leur ai envoyé ce message-là. Là, voilà. Je leur ai écrit donc bonsoir, j'ai pu remarquer que mes ventes ont pas mal baissé depuis 2024 et 2023, c'est peut-être l'hiver, après j'ai perdu beaucoup de viewers comme j'ai fait un changement dans ma carrière de streamer. Résultat, je comprendrais totalement que vous vouliez modifier, slash annuler, slash revoir notre contrat entre la fixe et la com. J'aime beaucoup la marque Oli, je vous souhaite du succès. Je ne veux pas être une sangsue qui ne mérite pas ses rémunérations, donc n'hésitez vraiment pas, surtout que je ne dépends pas de cet argent pour vivre. On peut pas être plus transparent. Ils me répondent, donc voilà, ils ont bien kiffé, et que, en gros, j'étais à 350 de fixe, plus 10% de com, et là, donc, ils m'ont mis au minimum, ils ont quand même gardé le contrat, ce qui est très cool de leur part, ils auraient pu enlever le fixe en battement, et donc 150, plus 10% de com, donc ça doit rapporter, je sais pas, 300 euros par mois à la chaîne, un truc comme ça, un peu moins, 250, 300 par mois. Donc, ce qui est toujours cool, hein, ça fait quasiment la moitié du salaire d'Atrix, donc c'est toujours sympa. Ah, ça c'est normal, c'est... En fait, à SKS, c'est le premier code à la première fois à 10€, et ensuite à SKS1, c'est 5%, hein, ça va changer. Have a good one. Mais Cinderella est vraiment mort. Mais comment? Niveau 40? Ah non, mais t'es pas à la grève de Zoram. Vous pouvez TP ou pas, alors? Je te TP, je peux TP que toi. Oh. Mais on peut faire quelques mobs au pire. Feu, O-R. Ça donne pas d'X de fragments, faut que ça donne de l'XP. T'es quel niveau? Ah, et 37, ouais, non, effectivement. Là. Ouais, faudrait que je bute quelqu'un, que je te tue. Ah, non, ça marche ou pas? Tu as, oui, est-ce que tu as le. Est-ce que tu as la moisson d'âme? Pardon? J'ai pas de truc de confort, j'ai rien. T'as même pas la moisson d'âme? J'ai que dalle. Oh là là, t'es vraiment un clodo, hein. Ouais. Terrible. Ouais, complètement. Oh putain, les airs élémentaires, c'est 2 PO lune. Vache. Et celles de feu, elles sont à combien? 70 là, 70 PA. Ah, oh, étonnant. Ouais, ouais, je me suis craft la robe de puissance. Ça va, en attendant le gilet tisse-rêve, ça va faire le taf pour le pexing. J'accepte ça dans un instant, je crois que j'ai tous les compos pour faire ma robe. Hop. Oui. Ah,
Ah, elle vaut 7 PO 69 quand même, la robe. Putain, le craft est tellement long. Ah, c'est niveau 33 pour l'équiper, j'avais pas vu. Nique sa race. Putain. Bon, ça va, en vrai, je suis 32, je passerai 33 dans le raid. Ça va. Ouais, elle sera prête, moi. C'est ça. Alors, je pense que le temps que je suis en train de la crafter, vous avez le temps de faire le raid, j'aurai pas fini. C'est tellement long, le cast. Putain. Qu'est-ce que c'est long. Ah, c'est toujours bien de raid. Et donc demain, raid jaune. D'ailleurs, il nous manque un DPS pour demain. Parce que Fort en frais s'est rendu compte qu'il a une vie IRL. Donc si, voilà, si un DPS qui a un reroll demain ou qui a pas pu raid avec son roster rouge ou bleu cet ID, on a une place de DPS pour le raid jaune de demain. Donc n'hésitez pas. Voilà. Tout le monde est là ou pas? Il manque... Ah non, il manque Pouquet, Dunmoro. Et t'as pas de trucs, c'est ça? Non, j'ai que dalle, là, j'ai plus. Attends, 20, 37, il faut les mobs, ouais, il faut les mobs 30 globalement, donc là c'est foutu. Et en vrai, Pouquet, ça va aller vite, il prend le bateau à Ménéthil et il prend le TP, ça va. Ouais. T'as le TP ou pas, hein, Pouki? Non, mais... D'accord. Attends, je réfléchis. Mob. Non, est-ce qu'il faudra un hors 2, ça marcherait? Non, on va commencer, commencer, de toute façon. On va éviter devant, ouais, ça sera fait, écoute. Allez, zouf. Au pire, on pourra sortir pour le TP quand même. Ah, bah, il y a le bateau qui vient d'arriver. Ou pas d'ailleurs. De Ménéthil, après, donc là, tu vois, mais tu vas arriver à Aubergine. T'as OS que t'as. Donc t'as pas le TP. Ah, j'ai le fly à prendre. Fly ensuite jusqu'à Astranar. Et d'Astranar, c'est une trotte aussi, je suppose que t'as pas la monture. Après, t'es druide. Est-ce que t'as les points de talent pour aller plus vite? Non, j'ai que dalle. Bon, t'es vraiment. Globalement, t'es un prolo, quoi. Très bien. Ah, je suis niveau 25. Oui, mais bah, y a des talents à niveau 25 hein, pour aller plus vite. En moins. En druide. En feral. Ah, après, oui, c'est... Enfin, ah, t'es pas feral, t'es quoi? Non, je sais rien. Je suis heal ou. Enfin, t'es là. Hein. Globalement, t'es là. Non, mais moi, je vais en prendre 10 Je comprends. Il est présent. Du loot. Ah, s'il y a du loot cuir, tu vois, on aurait été obligé de le mettre. Oh, oh, quelle tristesse ça aurait été. Ou on filait Ashgore pour son staff heal. Voilà. Non, mais on va lui filer le staff agi. Putain, dis-toi, ouais. J'étais faire la... Ils m'ont carry Gigi et Imrad. Oui, c'était Imrad. Ouais. Je me suis fait carry pour avoir une rune bien, bien trop puissante en mage, là. Ah non, c'est pas avec moi. C'était moi. C'était toi, non, c'était... Oui, effectivement. C'était Amélia. Non, non, Imrad, t'étais pas du tout là. Non, il non, dit oui, pas. Mais t'étais pas du tout là. Ouais, je pensais que t'allais parler du donjon de tout à l'heure, mais non. Le donjon... Mais... Comment ça, tu m'as carry, j'étais avec mon paladin, je vous ai ouvert tout le donjon. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je leur ai éclaté le donjon, il me dit qu'il me carry Jean-Jacques. JPP. Ouais. Putain. Aïe, aïe, aïe. Mais allez, c'est fabuleux, là, la rune. C'est incroyable, hein. Le barrage des projos, 40% de chance de proc. Ça change beaucoup de choses en spé arcane, hein. Ça fait quoi? En gros, j'ai 40% de chance en arcane d'avoir, de faire un proc en roue comme un idée claire, qui ne marchera par contre que sur un projectile des arcanes, donc qui sera gratuit, donc ça c'est stylé. Ce qui coûte le plus cher, et je le tire toutes les 0,5 secondes au lieu de toutes les secondes. Ah bon. Donc il part deux fois plus, enfin il part 100% plus vite, et voilà, je le tire vraiment, tu vois, genre tac, 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 ouais, ça fait vraiment mal. Oh, mais il est trop bien, moi en heal je joue. Ouais. C'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est vrai que je préfère, je pense, l'aspect arcane, je trouve ça très rigolo à jouer là. Mais avec quand même, il faut quand même du feu parce que là tu surboostes ta flamme vivante. D'ailleurs, ils ont résolu le truc où on peut pas avoir de flamme vivante ou pas? Oh, je peux pas. Bah, on va voir avec Niben, écoute. Hein. Niben, t'es en spé quoi toi? Est-ce que tu vas me baiser ou pas? Non, spé givre avec flamme vivante. Ah putain. Ah, je crois que c'est ça en plus. Putain, mais même quand j'ai un givre, il faut qu'il soit en flamme vivante. Putain, mais Ice Even, bordel! En givre! Mais fucking Ice Even, en plus tu peux le reset, c'est trop bien en givre! JPP. Ah, je suis sûr qu'il a pas été chercher le bouquin. Ça reset la morsure. Ouais. Après, c'est un sort de froze. C'est une supposition, mais c'est un sort de froze, donc logiquement, oui. À l'époque, c'était le cas en tout cas. Enfin, quand Ice Even est sorti. Non, mais tout est mieux que flamme vivante en givre. Je sais pas, sauf s'il joue une sorte... Parce qu'il joue avec bombe vivante aussi. Je suis en full givre. Donc c'est bon, il a plus de flamme vivante, on fait voir. Ah, il a Ice Even. Ah, je t'aime d'amour. Trop bien.
trop, trop bien, trop bien. C'est vrai qu'il y a encore du bon stuff, putain, dans ce raid. Je vois qu'elle a l'air, j'ai besoin de la tête aussi de Niben. C'est vrai qu'il y a le 7. Le bâton. Je l'ai. Ah, pardon. Mais t'as pas vu mon screen, je vous l'ai mis sur la conversation. Ah, si, c'est ça. J'ai eu le bâton. En plus, j'ai gagné devant pas mal de mecs, qui a 80, dont notamment Imra avec son reroll. On va buff. Attends, je vais faire le. Je sais pas si celui-là va m'améliorer. Tac, tac. Tac. Atrix. Cindela, il est pas encore là. C'est bien, j'ai buffé, j'ai plus de mal. Sans la monture, c'est tellement lent. Ah, ça. Allez. J'ai pas le sprint, quoi, putain. Big Andrew ici, boum, et Atrix, boum, je crois que c'est bon, là, il manque crack. Bon, Gigi, je te buff pas en dû, hein, tu me pardonneras. Mais, en fait, Cindela, il vient pas du tout, hein. Il est au Val Calciné, hein, qu'est-ce qu'il fout. Je pense qu'il a juste... Salut, salut tout le monde. Bonsoir, Gigi. Mais tu viens pas dans le raid, Cindela, là. Oui, si, j'arrive, en fait, j'étais en train de faire ma quête, j'arrive. Mais t'es en monture, là, ou t'es à pied? T'es en fly ou t'es à pied, là? Allô. Ah oui, qu'est-ce que je me demandais, qu'est-ce que tu foutais au Val Calciné? Ok, ceci explique cela. Ça a tout de suite beaucoup plus de sens. Et merci Titou pour... Ah, et puis c'est cool, ça consomme les trucs de déflag. Donc tu peux consommer tes déflags gratuitement. Oh, c'est génial cette rune, putain. Qu'est-ce que c'est bien, bordel. Et on a toujours eu des clairs en plus. Au cas où on manque de mana. Ah ouais, 40% de proche. Oh là là. C'est WoW SOD. Tout à fait. Vous avez oublié un truc. Tout à fait, tout à fait. Ma passion. D'accord, en arcane, tu mets 0 points en gif, rien. Rien. Rien, rien. De toute façon, t'as le pouvoir. En phase 2, on a le pouvoir des arcanes niveau 40, donc c'est tout. Oui, oui. Clairement. Ouais, en effet. Je sais pas si en heal c'est vraiment pas. C'est effectivement SOD. Là, c'est le premier raid de donc, la phase 1 qui s'appelle BFD, Black Fathom Deep. Les profondeurs de Brasse Noire en anglais. En français. T'en es où la Pookie, toi? On va l'attendre quand même avant de faire. Je passe au-dessus du raid. Tu vas te poser à Strada. Ouais. Ouais, y a bien. Prenez bien 2 minutes, hein, parce que c'est quand même beaucoup de pech. Bah, et t'as pensé à prendre la quête à Auberdine, prendre le fly ou t'as oublié? Oui, si, si, Auberdine. Bon, au moins pour les prochaines mais fois. Mais c'est Darna, je crois, qu'il y en avait. Quel risque et tout. Oui, mais ça après c'est après, pas. Après c'est baguette et je sais pas quoi. C'est ça, mais c'est surtout rien que le TP, ça change la vie quoi après. Oui, oui. T'arrives de Meneti, t'es devant le raid, boum quoi. Là, ce qui est pas de bol, c'est vrai que c'est Imra, il a plus de frag. Et je suppose, Imra, t'as pas fait la rune qui te file le frag infini. Mais tu l'as pas, non, il a pas. Très pratique, hein, ça. Ah oui, parce qu'il est 37, donc il peut pas. Putain. Non, c'est juste qu'il a pas looté, ça. Il pourrait, hein, mais il a juste pas looté la wardrobe, pas de chance. Juste une question de chance, après, il y a Cindela qui est pas là. On va vous attendre pour Aquanis. On les attend. Allez pisser. Ouais. Allez. C'est effectivement donc SOD. D'ailleurs ce soir on a fait le nouveau raid qu'on a bien déchiré, c'était sympa. Mais ouais, le bâton épique, là c'est le collier, putain de quel risque qui ferait plaisir. À tout moment j'ai FK, j'ai un souci intestinal, pas ouf. Ah. Pas de problème. Ouais, le bâton épique qui m'intéresse. Ah, en même temps il est beau, hein. Lui, globalement, dans le raid, il y a mieux, mais il faut vraiment aller chercher la lame épique, je crois. Parce que même le bâton bleu, il me semble qu'il est moins bien du raid. Ça, le bâton du génie du mal. Il fait moins de spell power, moins d'intel, mais il fait 1% de toucher, ce qui est pas mal, par contre. Le top 3 des armes, c'est le nouveau bâton, le bâton de celui-là et la dague une main. Alors, logiquement, numéro 1, c'est la dague. Hein. C'est la dague et le... Tu prends DAG, ce que j'ai avec le démo, hein, c'est DAG et des crocs de Mykon, ça. 1% de toucher, c'est quand même pas dégueu. 1% de toucher, c'est très cool, mais oui, jusqu'à un certain limite, tu vois. La DAG qui fait 19 et le Nécro qui font 14, t'as 33 de spell power, c'est pas mal.
C'est voilà. Personnellement, je sais que j'échangerai pas ça pour un pourcent de toucher. Hein. Surtout que généralement, après ça dépend, tu vois, 50 destruits, on n'a pas de toucher. Bon, en mago, 50 arcane, on est tranquille. Les givres, ils sont tranquilles aussi. Si je dis pas de bêtises, ça vaut le coup de prendre la pression élémentaire. D'ailleurs, bon. Ils ont 2 ou 3 levels de plus avec American, les boss. 2 toujours. C'est toujours 2, ouais, ils sont restés comme ça. Ce qui est vachement bien de leur part. C'est 6% aussi les. 5. Les casters. 5% en tout ? Ouais. Ah ouais, ok. Non, mais ça va. 5%, sachant qu'on peut les avoir. Alors, certains peuvent. Enfin, en arcane, on les a. On a 10%, donc dans les PPR. C'est 8, c'est 5 et plus 2 et c'est 8 plus 3. Donc quoi qu'il arrive, quand tu joues Arcane, ce qui était le cas à l'époque, je me rappelle, moi je jouais Arcane Frost, t'étais 31-0-20. T'avais pas le choix de toute façon, enfin t'avais pas le choix, il y a des gens qui jouent full Frost, hein, ça marchait bien, mais on pouvait pas jouer Feu, donc problème est résolu. Ce qui sera plus le cas d'ailleurs, comme là ils rework MC. Je suppose qu'ils vont faire aussi les changements nécessaires sur Baywell. Ah, oui. Et ouais, ça va être pas mal. Voir peut-être sur BRD, 2-3 trucs hein, aussi à changer, on verra. On verra, mais ouais, c'est trop cool. Le fait qu'il passe. Moi, en vrai, initialement, j'étais pas forcément. Alors, les raids 40, je trouve ça toujours débile. J'étais pas super chaud des raids à 20, je mets bien à 10. Mais bon, c'est vrai que je comprends. Il y a quand même pas mal de guilds, voilà, qu'on passe à 20. Nous, ça nous posera pas de problème en tant que guild. Là, on a 20 raiders. Donc, bon. C'est vrai que ça sera pas mal. On sera vraiment un raid unifié, quoi. Et c'est vrai qu'il y a certains raids à 20, tu peux faire quand même pas mal de plus de choses. En il y a pas, il y a du monde. Hein. Il y a Lalalou, je crois, et il y a Ashgore. En fait, non, il y a que deux. Ah non, il y a Syndella qui arrive. Mais juste avec Syndella, voilà. Ou toi, enfin ouais, bref. De toute façon, tout le monde tape, tout le monde. Est-ce que j'ai 7 DPS ou... Oui, tape. C'est ça. Toi, je voudrais que tu tankes Ashgore. Enfin, ce sera soit toi qui aura l'aggro, soit Gigi, un de vous deux. Et puis voilà. Il a mis la fureur, ça sera logiquement. Ah mais t'as besoin des épaules ici peut-être Niman d'ailleurs, parce qu'elles sont magnifiques les épaules en givre ici. C'est vrai que si elles tombent, je te les laisse en plus déjà plus loin, je joue pas ça les deux deux. Je te les laisserai comme t'es en givre. Parce qu'elles sont magnifiques ces épaules givre qui ne servaient à rien pour la phase 1, on sait pas pourquoi ils les ont mises. Parce qu'elles devaient exister à l'époque, mais elles sont superbes. Intel et 13 de Frost Power, c'est... J'ai besoin de faire aspirateur à loot avec le bâton. Ah, ça. Ça. J'entends. Tu as combien là? 98. Allez, Pookie et Cindy, vous en êtes où là? Alors, Pookie est. Ok, et Pookie arrive aussi devant le raid. Bon. Je galope. Le plus dur maintenant, ça va être de passer les trashs. Ça, j'ai envie. Ouais, soit ça, soit pour le coup, là il va être content, Tsuko et Soft. Au pire, faites le déco reco là quand vous êtes seul. Après, faut trouver le bon spot, moi je trouve jamais ce spot de merde, ça me casse les couilles. C'est quoi ce truc? Quand tu déco reco un certain spot de en bas, enfin c'est un certain endroit, en gros, ça te met devant le raid. Voilà. Ça marche bien, ouais. Ça marche, perso, ça me casse les couilles. J'ai essayé à un moment, j'étais quand même curieux, j'ai essayé à 5 endroits différents, j'ai jamais trouvé. J'ai fait ça. Ouais. Ah ouais, ça m'a saoulé. Ça a jamais voulu, donc à chaque fois, tu sais, tu déco, tu reco, t'es toujours comme un connard, à la moitié des pieds dans l'eau, je sais pas quoi. J'ai fait, vas-y, c'est bon. Je suis venu ici pour... Ça me dérange pas, on va te taper les meubles. Pas les couilles. Ok, Cindy est là, il est là. Je peux vous faire la flotte pas trop nue d'ailleurs pour ceux qui need. Elle est pas parfaite, mais c'est la flotte. Ah bah y'a ça qui est Niban aussi. Ah mais il va la faire ouais, lui par contre. Deux par deux. Donc ouais, si vous voulez de la flotte, n'hésitez pas à trade. T'es level combien maintenant? C'est la flotte 1300. C'est pas la 1009. Mais bon. C'est gratuit. Même la 1009, hein, elle est déjà dure, au moins j'ai 5000 de mana, c'est... Ah, j'entends, ça c'est... J'entends bien, et bon. Contre 5000, t'es pas un peu en mode marseillais, là?
Ouais, bah j'ai 4000 full stuff en raid là, quand on est en raid, tu as 4007, ouais. Ah ouais, non, pas marseillais en fait. Ok. Pas mal. Ça en fait. Ah, mais c'est vrai qu'en DC, t'as pas genre un boost de mana avec ça. Non, c'est la régène mana en DC que t'as le boost. C'est la régène. Ta sagacité, ouais. Vas-y, Pookie, vas-y. Ah, tu peux désirer Pookette, hein. Ah putain. Ah, mais il aurait bien aimé la TP, hein. Oupsi. C'est vrai, ça. Non, mais en vrai. Non, mais faut pas que je mette ma pierre à Stormwind. Ah, mais c'est nul Stormwind en pierre. Ah, bah c'est. Quelle idée aussi. Je sais pas ce que je fous là-bas. En même temps, j'ai pas touché à ce perso depuis. Clairement, Stormwind en pierre, c'est non, quoi. Encore à la limite Ironforge. J'ai Alchi et Herbo, donc c'est Adarnassus après, l'artisan. Le maître, sûrement. Ouais, Adarnassus. Perso, moi les pierres, je les mets soit à Terra Mort, soit à Ménéthil. Bon, en tant que mage, j'en vois autre chose. Mais... Bah, comme ça, Terra Mort, toi, ça me met un. Ah ouais, sur le bateau, pareil, j'alterne entre Terra Mort et Ménéthil. Ah, faut que je buff en plus. Et ouais. Let's go. Tu reviens. Hein. Mais bon, voilà, là on va y aller par contre, hein, sans. Oui, oui. Allez. Je le ferai devant le boss, je pense que c'est mon meilleur DPS. Putain, je me suis. Je vous mets Luciole ou pas? Je me suis kéblo tout seul avec un le caillou devant là. Ah non, j'ai la bombe! Oh ta mère! Ah, en plus, tu m'as mis l'infusion trop sympa, putain! Ah, crois-moi, je suis deg, hein. J'avais full CD, tout se passait bien. Ah? Tristitude. Ah ouais, 10 298 XP! Hein. Putain de sa race. Vache. C'est délirant. Hein. C'est délirant. Full maille! Et personne ne need. Ah, Atrix maintenant. C'est vrai qu'Atrix, elle peut maintenant, attends. Une spé mêlée Atrix, là. Vas-y, vends-nous du rêve. C'est vrai qu'on a Hunt. Parce que Ashgore, je pense qu'il s'en carre le cul de ce truc-là. Oh, putain, je suis deg, hein, prends moi. C'est GG, donc. C'est Ashgore. Putain, c'est beaucoup trop fun à jouer, ce Perkan, en vrai. Eh oui, c'est trop bien. Vas-y, non. Écoute, le heal, tu pourras plus t'en passer. Vraiment. Alors moi, le heal, non, je passe, hein. Moi, je veux juste taper. Le heal, ça m'emmerde toujours autant, ça, par contre, c'est pas en option. Elle est où, la grosse? Elle est en face. On traverse. C'est bien le rôle qui est pas... Mais j'ai essayé, hein, quand même, je voulais pas crever idiot, hein, il y a longtemps. Hein. À Waltelka, j'avais essayé de healer avec un prêtre. J'aime bien le gameplay, mais je suis nul, mais nul. Je suis pas patient, ça m'emmerde. En plus, résultat, comme ça m'oblige à être encore plus... attentif, on va dire, à ce qui se passe dans le raid. Donc, quand je suis en pick-up, je trouve encore les gens plus nuls. Enfin, ça me... C'est pas bon. C'est très frustrant de voir les gens faire de la merde, rien pouvoir y faire à part les healer. Non, ça me casse les couilles, hein. C'est pas bon, ça, c'est... Ouais, vas-y. Allez-y, hop. De toute façon, là, elle a le truc, on peut rien y faire, donc bon. C'est vrai que si on manque de mana, on peut prendre une boule, en fait, comme tu le hop, plus prendre de mana. Il a pris des boules, là, je crois. Non, tu penses? Ah, je suis... Gigi, tu peux le tourner, ce boss, en fait. S'il te plaît. J'ai pas de chance, j'ai rebondi sur toutes les boules. Prot. Ah, bah non, Ashgore, il est mort. Ça, tu peux tourner, toi? Mais en fait... Merci, parce que je l'arrache, hein, le bordel. Hein. C'est pas évident de monter sur l'agro là-dessus. Ah ouais, non mais là... Bah, quand tu vois que je suis 32, que t'as plus fort qu'Imra, qui a je sais pas combien de level plus que moi, c'est juste débile, Arcane. Hein. C'est bien débile. Hein. Ah, ça donne envie de tester en raid. Hein.